Après 3 années d'études, le grand moment est arrivé pour Constance. Elle vient enfin d'obtenir son diplôme d'infirmière sous le regard de ses parents. Elle est très fière. Elle est très contente pour la suite, l'avenir qu'elle se prépare. Ses débuts, elle va les faire ici, à l'hôpital Foch de Suresnes, à l'unité de soins intensifs et cardiologiques, où elle devra être immédiatement opérationnelle. Ici, être débutante n'est pas une excuse et Constance va être tout de suite plongée dans le bain. Dans ce service, Constance va se retrouver en permanence à soigner des gens qui ont frôlé la mort. En fait, pour être sincère avec vous, ce matin, je crois que c'était fini. Quoi qu'il arrive, elle devra garder son sang-froid et ne jamais montrer ses émotions. Non, et là, je la sens plus. Bah, de temps en temps, ça m'échappe, comme tout le monde. On peut pas cacher tout le temps son stress ou ses émotions. Face aux patients râleurs, c'est la même chose. Il faut garder son calme en toutes circonstances. Médicaments, là, vous en avez pas. Pourquoi est-ce que vous êtes assis, là? Je vous ai dit qu'il fallait rester dans le lit. Pendant ces 3 premiers jours, Constance doit parvenir à convaincre ses supérieurs qu'elle est faite pour ce métier. Donc je viens de décrocher mon premier boulot en tant qu'infirmière en unité de soins intensifs cardiologie. Bon, j'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'elle aura la chance de pouvoir équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Les urgences, il peut y en avoir plusieurs d'un coup. Quelqu'un qui décompense en même temps avec un décès, c'est déjà arrivé depuis que je suis là. Et c'est vrai que ces jours-là, j'ai trouvé ça même assez lourd. Voilà. Quand on vit un décès et tout, c'est un peu compliqué. Donc pour une jeune infirmière diplômée, je pense que ça va être difficile à vivre. Dans 1 minute, le réveil de Constance va sonner. Elle va démarrer sa première journée en tant qu'infirmière. Constance a 21 ans. Après 3 années de formation, elle vient tout juste d'être titularisée. Elle vit seule dans cette petite chambre sous les toits à Versailles, loin de sa famille se trouvant au Havre. Pour son premier jour en tant qu'infirmière, il est important pour elle de soigner son apparence. Quand l'infirmière, je pense qu'à la présentation, c'est très important. Parce que le patient, il voit pas forcément beaucoup de monde dans sa journée. Et justement, on peut être un peu un bout de soleil. Je trouve que c'est important d'avoir une tête présentable, d'avoir toujours le sourire. Et d'être un petit peu arrangé. Je trouve que ça ne gâte rien. Constance est loin de découvrir son métier aujourd'hui. Avant d'en arriver là, elle a suivi 10 de stages en milieu hospitalier. Elle a déjà fait ses armes sur le terrain, mais cette fois-ci, les choses sont différentes. Elle n'est plus étudiante. Je quitte le monde étudiant pour entrer dans la vie active. Ça fait quand même quelque chose, quoi. Je ne réalise pas encore forcément. Je verrai une fois dans le service, une fois que je serai vraiment en train de commencer ma journée. Ça va aller, mais c'est sûr que une petite pointe quand même de stress. D'être pas à la hauteur, de pas savoir, de pas savoir réagir, pas savoir répondre aux questions des patients. C'est ici que Constance va faire ses débuts, à l'hôpital Foch de Suresnes. Elle sera infirmière à l'unité de soins intensifs et cardiologiques. Elle connaît déjà un peu les lieux, même si beaucoup de choses sont encore floues pour elle. Là, je vais aller chercher mes blouses. J'allais chez la surveillante de garde, alors je sais pas trop où c'est, surveillante générale, peut-être là. Pour sa première fois, l'accueil va être plutôt froid. Bonjour, le bureau de la surveillante de garde. C'est moi. Ah, c'est vous, pardon, excusez-moi. En fait, je commence aujourd'hui... De quoi? Les blouses? Ah d'accord, nickel, merci beaucoup. Et les blouses, les hauts, ils sont où? Ils sont là? Ah, tout est ensemble? Ah, j'ai rien dit, excusez-moi. Ah, d'accord, nickel. Et en haut, bonne journée. Là, je commence un petit peu à avoir une petite appréhension. Donc voilà, c'est normal. Par où est-ce que j'ai intérêt à passer? Par là. Et grande première, je vais pointer. Je ne suis pas du tout habituée. Comme ça. Pas fait grand chose. Ah, ça, ça. C'est à 7h30 que Constance arrive enfin à l'étage de son service pour se présenter auprès des autres infirmières. Bonjour. Ah. Non,
Merci, merci, merci. Au revoir. Bah oui, moi aussi. Bon, bah, je vais me changer, je me dépêche. Je vais là-bas. La tenue blanche, en dehors de sa multitude de badges, elle la connaît par cœur. Sauf qu'aujourd'hui, on peut y lire un petit changement de taille. Qu'est-ce qui change le badge? Il est marqué infirmière. Et puis marqué étudiante infirmière. Ça, c'est aussi une fierté, parce que, bah, on a réussi. Et donc voilà, c'est le bout d'un désir et d'études. Donc on est quand même content d'avoir réussi. Le premier rendez-vous à peine arrivé, c'est une réunion avec ses collègues où les infirmières de nuit transmettent les informations essentielles à celles qui viennent d'arriver. Peut-être appeler la courroie parce que du coup, comme elle était prévue cet après-midi, pendant sa première journée, Constance sera accompagnée dans toutes ses tâches par Astrid qui doit vérifier tout ce qu'elle fait. Son premier patient sera Fernand qui sort tout juste d'un infarctus. Bonjour monsieur. Je suis Constance, je vais être votre infirmière aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais vous mettre ça sur le doigt. Sur l'autre. Donc 97 de SAT. 75 de pulse. Là, est-ce que vous avez des douleurs? Non. Aucune? Peut-être un petit point ici, mais c'est un petit point. D'accord. Constance va immédiatement mettre en application tout ce qu'elle a appris. Et c'est avec un certain aplomb qu'elle va se mettre au travail. Et non, parce que je commence aujourd'hui. Ah bon? Ben oui, c'est mon premier jour en tant qu'infirmière. C'est gentil. Adorable. Généralement, quand il y a une petite jeunette qui arrive, ils aiment bien nous taquiner, vous avez de jolis yeux, voilà, ça fait partie des phrases un petit peu bateau des patients, mais bon, c'est rigolo. Une nouvelle infirmière qui va être très vite bousculée dès son arrivée. Une urgence va très vite tomber. Donc là, on va au radiobloc, donc un patient qui arrive par le SAMU. Je suppose que c'est un infarctus, j'en sais pas tellement plus. Effectivement, un homme vient de faire un arrêt cardiaque dans son taxi. Constance est appelée en renfort pour le réceptionner. Il vient tout juste d'arriver aux urgences. Sauf que dans le stress, Constance va avoir un peu de mal à trouver son chemin. Alors, par où est-ce qu'on était passé? C'était par là. C'était par là. Hop! Il me semble que c'est celui-là, mais c'est dans l'autre sens. Elle finit par rejoindre toute l'équipe de réanimation juste dans les temps. Bonjour monsieur. Je suis Constance, je vais m'occuper de vous quand vous serez là-haut dans le service. D'accord? On va se voir tout à l'heure. Bon, je vous laisse entre bonnes mains. Ce monsieur, se prénommant Témour, conducteur de taxi, a fait un arrêt en pleine campagne et a été localisé par le SAMU grâce au GPS de son téléphone. Constance va devoir se charger de la femme de cet homme, très inquiète, qui ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. C'est une artère qui est bouchée? Oui. C'est dû au cholestérol, tout ça? C'est dû au cholestérol, à l'alimentation. On en guérit bien, je... Oui, 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 vous en faites pas ça, il n'y a pas de... Et c'est... après, ça peut revenir sur une autre ou pas? Oui, c'est possible, toujours qu'il y ait des récidives. Témour, le chauffeur de taxi, va intégrer le service de Constance peu de temps après, supervisé par Anthony, le chef de service. Vous êtes toujours là, monsieur? Je sors moi. Moi? Oui. D'accord. Impatient encore sous le choc de ce qui vient de lui arriver. Constance ne dit rien, concentrée sur ses gestes, ne montrant aucune de ses émotions. Cela fait partie de sa formation, mais ses collègues plus expérimentés le savent, ça n'est pas toujours facile à faire. Oui. Moralement, c'est assez difficile. Parce qu'on se prend la détresse des gens. Et à la fois pour nous, c'est une motivation parce qu'on sent qu'on est utile et qu'on est là pour les aider et pour les soutenir. Et à la fois, c'est difficile parce qu'on éponge tout, qu'on est le lien entre la maladie et le reste de leur vie, de la famille, qu'il faut supporter l'annonce de certaines choses. Et que, au bout d'un moment, on finit par nous aussi avoir du mal à supporter. C'est dans cet hôpital que Constance a passé son examen d'infirmière. Pour l'examen pratique, elle a été confrontée à de vrais patients, dont un certain Michel, qui justement a de nouveau été admis dans le service. En principe, il devait sortir samedi. Uh-huh. Il a dit « Oh, c'est dommage, je ne la verrai pas, je lui dirai bonjour de ma part, etc. » Puis en fait, comme tu es là, tu peux pas. Il est là pour quoi?
toujours la même chose. Pour douleur thoracique et il fait des bradycardies, il est descendu à 30 cette nuit. D'accord. Donc voilà, enfin, lui il a qu'une envie, c'est de sortir. Ah bah, j'irai le voir. En fait, c'est immédiatement que Constance va aller lui rendre visite. Michel a été le patient de son examen final. Il l'a vu terriblement angoissé. Constance fait tout pour donner l'image d'une jeune fille sûre d'elle, mais ce jour-là, elle n'y est pas parvenue et a même craqué devant le patient. Cela a forcément créé une relation un peu particulière entre eux. Monsieur Gallois, comment on se retrouve ? J'ai la bouche pleine. Vous avez la bouche pleine ? Oui. C'est que ça va bien alors ? Ça va mieux. Ça va voilà. Mieux. Bon. Vous êtes contente, ça y est d'être... Ben ça y est. Oui. Ça y est. Vous êtes dans la même chambre que la dernière fois. Oui. Et oui. Heureusement, elle est vaste et je suis peinard. Ben, elle m'a récupéré et puis elle était en train de passer ses examens, je ne sais pas comment vous appelez ça. Un diplôme. Voilà, finaux, alors on l'a vu... Respect. Avec l'examinatrice. Et ça s'est bien passé. Oui. Voilà. C'est bon. Eh bien, félicitations. Ah, merci, monsieur Gallois, c'est gentil. Alors, espérez que ça se passera bien pour moi aussi. Mais oui. La veille de son examen était stressée, elle se posait des questions sur. Et puis, même le jour de l'examen, finalement, elle a même pleuré, ce qui est étonnant. Elle a quand même pleuré. La cadre lui a posé des questions dont elle ne savait pas. Elle était un peu angoissée, donc elle ne savait pas répondre. Donc. Elle pleurait maintenant, mais en tout cas, elle pleure plus, hein, donc c'est bien. On espère que ça va se passer comme ça. La pause de midi est toujours un petit moment de décompression pour les infirmières. À la cantine, leur plaisir favori, se lâcher sur les commérages. La cantine, c'est un peu le lieu. Bon, surtout quand vous êtes assis à côté de d'autres personnes, de d'autres services. Ça échange de « alors, tel patient, telle infirmière, tel médecin ». Par exemple, je sais pas, qui est enceinte, qui déménage, voilà. qui a été promu, qui change de service. T'as piqué ? Constance va vite devoir reprendre son service. L'une de ses principales tâches, surveiller l'état de Témour, le chauffeur de taxi, amené en urgence dans la matinée. La douleur, là, ça va pas mieux ? Sur une échelle de 0 à 10. 10, c'est la douleur, là, mais la plus insupportable. Oui, c'est une question qu'on m'a posée oui. Ce matin 50 fois. Bah oui, je sais bien. Pardon. Est-ce que vous arriveriez à dormir avec cette douleur ? Je crois pas. Vous croyez pas ? Donc ça serait quand même 6-7. C'est possible. C'est quand même... Oui. Donc là, je suis obligée de vous poser une deuxième perfusion. Parce que comme on vous passe pas mal de médicaments, je peux pas avoir qu'une perfusion, en fait. Voilà. Donc il faut que je vous en pose une deuxième. OK ? Alors, qu'est-ce que vous avez de beau ? Là, j'en sens une qui est peut-être pas mal. Témour se remet tout doucement du choc qu'il a reçu. C'est à Constance qu'il va se confier. Que Dieu nous protège. Parce que vous protégez plein de gens. Bah, en fait, pour être sincère avec vous, ce matin, je crois que... Je croyais que c'était fini. Franchement. Constance écoute, tout en essayant de ne pas trop montrer ses émotions. Après les paroles de son patient, elle va avoir beaucoup de mal à trouver sa veine. Bon, et là, je la sens plus. On y va ? Allez, soufflez un bon coup. Allez-y. Alors, il y a un problème avec l'aiguille. Excusez-moi, il faut que je prenne une autre aiguille parce que... Bah, de temps en temps, ça m'échappe, comme tout le monde. On peut pas cacher tout le temps... son stress ou ses émotions. Mais tout comme je pense que c'est important quand on entre dans la chambre d'un patient d'être souriante et d'être disponible pour lui, je trouve qu'il ne faut pas non plus montrer quand on est mal vis-à-vis d'un patient. Ouais. D'habitude, on vous pique où ? On vous pique pas ? Constance va finir par appeler à l'aide Astrid, l'infirmière qui la supervise. Regarde, toi, si tu vois un autre truc de plus sympatoche, mais... Oh bah merci. Hein. Bah de rien. Mais il faut pas que ça t'inquiète, hein, c'est des choses qui arrivent. Oui, non, je me disais bien de toute façon, c'est pas parce que je suis même après, que... Ouais. Même après des années, c'est, ouais. Ça dépend, on le sent pas. Non. Puis quand on pique une fois et qu'on rate, après pour passer derrière, c'est, ouais, c'est plus sûr. Difficile. Donc, c'est sûr. Voilà. Donc faut pas que ça te démoralise. Non, t'inquiète pas. C'est pas toujours facile, c'est fatigant. Il y a beaucoup de choses à intégrer rapidement. Et puis bon, ben voilà, c'est nouveau quand on... Ben, les jeunes, hein, Constance, donc quand on sort de...
Je me dis qu'il y a plein de choses qu'on n'a jamais vues avant. On arrive à son premier stage et puis voilà, on est jeté dans le truc et c'est pas évident. Astrid a vraiment eu le rôle de l'infirmière qui encadre, que je souhaitais en fait. C'était vraiment ce dont j'avais besoin. Quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas non plus omniprésent. Parce que c'est vrai que le moment où on apprend le plus, c'est quand même quand on est un petit peu lâché. La journée se termine pour Constance, sa première journée d'infirmière. Même si elle a fait bonne figure, elle est épuisée et n'a qu'une hâte, rentrer chez elle pour aller se coucher. Constance est catholique pratiquante. Dès qu'elle le peut, elle aime passer du temps dans son église avant de se rendre à son travail. C'est important dans mon métier par rapport à ma relation avec les autres. Aussi par rapport à la mort, vu que pour moi, seul le corps meurt, l'âme reste. Je pense que c'est plus facile pour affronter les difficultés au travail, parce que je suis sûre qu'il y a des moments où il y a quelqu'un qui m'aide. Pour sa deuxième journée, Constance va commencer par la visite de tous ses patients, comme Jacques, venu ici pour des douleurs dans la poitrine. Donc, vous allez passer en coro à 14h. Donc, après le petit déjeuner, vous arrêterez, vous serez à jeun. Je peux avoir de l'eau ? De l'eau, non. Non, là, le petit déj, oui. Mais après, non. Après, terminé. Aujourd'hui, c'est Flavie qui va superviser le travail de Constance, qui est très minutieuse quand il s'agit de donner des médicaments. Ce sont ses débuts et elle a terriblement peur de faire des erreurs. Alors, on va recommencer. Donc. On n'est pas sûr en fait que ce soit les bonnes molécules qu'on lui donne, donc on ne veut pas se tromper parce que c'est des médicaments qu'on ne peut pas prendre comme ça à la légère. Vous pouvez le prendre. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on veut vérifier quand même les autres avant. Voilà, à tout de suite. On attend l'interne, comme on a un doute sur les médicaments, on préfère attendre. Le problème, c'est que les erreurs sont très vite faites dans les services. En fait. Ça peut être se tromper dans un médicament, un dosage, ça peut être pas assez bien surveiller un patient. Il y a des patients qui décompensent très rapidement et on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Ça peut être des journées noires où on a vraiment beaucoup de boulot et on ne s'en sort plus. Parce que c'est sûr qu'on est beaucoup moins bien organisé quand on est jeune diplômé qu'une infirmière qui travaille dans le service depuis quelques années. Donc on se laisse quand même beaucoup plus vite submerger par le travail. Une attitude, en tous les cas, qui rassure pleinement Jacques. En vrai, Constance, j'ai l'impression que c'est une personne qui est très, très minutieuse. Hein. Elle avait un doute sur un médicament, elle est partie vérifier si ce médicament était adapté ou non à mon cas. Et si ce médicament n'est pas adapté, elle va me donner autre chose, mais enfin, elle vérifie toujours ce qu'elle fait. Constance va découvrir un nouveau patient dans son service ce matin, un certain Daou, victime d'un infarctus. Bonjour monsieur. Je suis Constance, votre infirmière aujourd'hui. Oui, ça aurait pu être plus grave. Un monsieur qui a ressenti brutalement des douleurs dans la poitrine la veille et qui a immédiatement prévenu les urgences. Une chance pour lui, s'il avait attendu, les choses se seraient sûrement passées autrement. Venu de retard, ce qui n'est pas bon. Il fallait faire tout ce truc dans les médias. Et puis, vraiment, c'est des gens compétents. Je les remercie beaucoup. Vraiment. Le malade, il a besoin de 50% de sourire. C'est 50% de soins. Comme les autres patients, Daou est très affecté par ce qui lui est arrivé. Dans la vie, c'est un monsieur plutôt joyeux. Cela ne va donc pas l'empêcher de retrouver rapidement son sens de l'humour. Pour le petit déjeuner, qu'est-ce que vous prenez ? Alors, petit déjeuner, breakfast américain. Oula, avec des jambons, bacon. Tout ça, oui, bien sûr. Pour le cœur, je pense que ça sera parfait. Non, alors, café au lait. Café au lait. Tous les matins, l'équipe dirigeante du service se réunit pour faire un état des lieux rapide. Parmi les sujets à l'ordre du jour, la nouvelle infirmière du service, Constance. Oui, alors bien. Elle montre pas ce qu'elle est stressée, mais elle est stressée. Ah bon ? Elle paraît pas stressée. Non, elle paraît pas, elle le cache bien. Mais... Moi, je trouve que quand on la voit comme ça, elle paraît vraiment pas stressée. Hein. C'est surprenant. Mais elle le cache bien, mais non, je pense qu'elle... Juste pour arriver à prendre ses patients en charge, alors être sûre d'elle. Se dire que maintenant, c'est elle l'infirmière, c'est elle qui prend les décisions. Salut. Salut.
mais elle ne le montre pas, ce qui est bien, ce qui est une bonne chose. Ah oui, mais elle vient d'arriver, donc on lui donne encore le temps. Mais bon, une jeune infirmière se débrouille très bien. Anthony, le chef de service, va donc tenter de la taquiner un peu sur le sujet. Bah, Constance, déjà Constance, ça fait Constance. Ouais, déjà, c'est ça. C'est le principe, en voilà, fait. Voilà, ouais. Il va falloir être un peu plus inconstant, en fait. Ah d'accord. C'est avec Constance que son chef de service va s'occuper du cas de Daou, le monsieur qui vient d'être admis pour un infarctus. Alors, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé ? Rien encore. Vous n'avez rien compris ? Donc l'infirmière, vous n'avez rien expliqué depuis que vous êtes là ? Non, bien sûr, mais... Si bien, sur le coup, il n'a rien compris. D'accord, parce que... Quand j'étais chez moi et ça arrivait ce soir-là, j'ai rien compris. Et maintenant ? J'ai pas compris. Maintenant, vous avez plus compris. Oui. Donc l'infirmière vous a tout expliqué. Ah, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Hein. Et vous avez fumé ? Ça fait 10 ans que j'ai fait le pas. Ouais. Mais là, maintenant, vous chiquez, non ? Oui. Ah, chiquez, c'est pareil. C'est pareil. Vous voyez aussi la tabacologue. Ça, faut arrêter. Donc la tabacologue, faut qu'elle passe. Ah oui. Donc pour empêcher ça, faut arrêter le tabac. Même la chic. C'est fini. Il va falloir maigrir. Parce que est-ce que vous avez fait son BMI ? Non, je ne crois pas qu'il a été fait. Ça, faut le faire. Très bien. Ça, c'est attention dans la prévention. Toute une série de consignes qui ne semblent pas du tout effrayer Daou, qui va très vite retrouver son habitude de blaguer. Bon, vous pesez combien ? 53. 53 et vous mesurez ? 2 mètres. On va vous croire. 76, ouais. Et vous mesurez ? 168. Donc il y a du surpoids. Donc il faut perdre du poids. Constance est désormais infirmière, ce qui ne va pas l'empêcher de suivre régulièrement des exercices d'entraînement dans l'hôpital même, pour lui apprendre à réagir en cas de situation extrême. Ce qui se passe, c'est quand même là, depuis une semaine, il y a des infarctus, tout se passe bien. Le problème, c'est qu'on est en soins intensifs cardiologiques. Les infarctus, il peut avoir aussi des complications plus importantes. Et le problème de ces jeunes infirmières aussi, c'est quand ça se passe mal, tout d'un coup, ça peut se passer mal d'une façon rapide. Et qu'elles ne sont pas formées là-dessus, parce que ça arrive de plus en plus rarement. Donc c'est sûr que quand il se passe quelque chose, quand il y a une intubation, une réanimation à faire, là, elles sont un peu plus angoissées. Une fois par mois, comme les autres infirmières, Constance vient donc dans cette salle pour se faire tester. Si, là, entre. Donc, c'est ce que j'étais en train de leur dire. On va faire des cas concrets. Donc on va faire des simulations, il y a un petit groupe qui sort. Et je viens vous chercher dès qu'on a mis en place notre petite scénette. Ça marche. On va faire une vraie hémorragie digestive et pendant qu'elles sont en train de le prendre en charge, il va tomber inconscient et il va faire l'arrêt cardiaque. À ce moment-là, on mettra le mannequin et là, elles vont faire les manœuvres qui s'imposent. Allez, c'est parti. Il s'agit donc d'un jeu de rôle. L'un des deux infirmiers va donc tenir le rôle du malade. Pour simuler une hémorragie digestive, il fait donc badigeonner la bouche avec du faux sang. Voilà. Tu dis bien que tu te sens pas bien, tout ça, ah ouais. Que t'as des vertiges, et puis au bout d'un moment, quand elle commence à t'interroger, tu tombes inconscient, donc on reprend, on attend qu'elle fasse la suite. Tu sonnes et elle répond à la sonnette. Le patient vient de sonner et tu réponds à ta sonnette. C'est parti. Constance va donc rentrer dans la pièce sans savoir à quoi elle va être confrontée. D'accord. Génial, on va appeler quelqu'un. Tu appelles. Donc là, j'appelle, j'appuie sur la sonnette rouge. Hein. T'appuies sur la sonnette rouge, ouais. Donc ça fait double alarme. Ouais, ça fait double alarme. J'ai mal, j'ai très mal. Les deux autres infirmières arrivent donc au secours de Constance. Depuis combien de temps vous saignez comme ça, là ? Je sais pas, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. D'accord. Tu peux aller chercher tout de suite. Pas le chariot d'urgence. Alors, quelqu'un va chercher le chariot d'urgence. Mmh. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Bah, je peux préparer, quoi. Mais en plus, ouais, tu l'as dit. Appelez le médecin. Ouais. Vous avez un médecin ? Comme prévu, pendant que les infirmières s'activent, le faux malade va simuler un évanouissement. Voilà. Super, merci. On a 49. Regardez votre patient. Super. Oh, il est arrêté. Monsieur. Allez, respire. Alors, monsieur, si vous m'entendez, ouvrez les yeux, serrez-moi les mains. Le premier réflexe est donc de l'allonger à plat et de retirer les barrières bordant le lit. Il respire pas. Sylvain, s'il te plaît. La planche. Attends, on va mettre le mannequin maintenant. Alors, vous êtes plusieurs, il y a quelqu'un qui peut commencer à faire une première chose. Voilà. Du patient. Allez. Voilà. Le massage. À côté du voyant clignotant. Qu'est-ce qu'il y a pas les choses ? Vous adaptez de prioritaire. Le connecteur. Attention.
22, 23, 24, 25, mathématiques. L'exercice est fait dans la bonne humeur. Malgré tout, elles doivent tout en tirer des conclusions. Ok, on peut arrêter la situation. Et ben voilà, super. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Direct, ouais, j'aurais appelé à l'aide avec le chariot direct, à la limite. J'aurais basculé la tête plus tôt. Ouais, c'est dans l'installation surtout. C'est dans... Ah, c'était bien. Par contre, l'installation, une fois que vous êtes lancé, que vous êtes organisé un petit peu, prenez le temps, tu vois, de bien mettre le lit à plat. Et une fois que c'était à plat, vous étiez mieux pour masser, pour ventiler. Là, bah, sur le coup, en fait, de voir avec la peinture, là, le machin, je sais pas ce que c'était. Ça m'a fait bien rire. Donc, j'étais pas du tout dans le coup. De... Non, pas du tout, là. Ça a marché. Donc, ouais, tout à fait. Donc, ce qui fait que j'étais pas super concentrée, mais... Non, je trouve ça bien de remettre les choses au carré de temps en temps. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé pour Constance avec les patients. Malgré tout, toutes les infirmières le savent, les patients râleurs sont inévitables et Constance ne va pas y échapper. Pourquoi votre pilulier est sorti? Vous n'en avez pas pris, hein? Pardon? Le médicament, là, vous n'en avez pas pris? Non, je les prends au repas. Oui, mais vous ne les prenez pas, hein? Non, j'attends que vous me... D'accord. Alors, je les range parce que sinon, on va croire que vous en avez pris. Vous pouvez me pousser le lit près du mur, s'il vous plaît, faut que regardez le câble, là, il est trop court. Poussez le lit. Oui, je vais vous le décaler. Par contre, le pied est dans le lit. Il faut rester dans le lit. Après une choro, il y a un fort risque de faire des troubles du rythme. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez très bien tomber par terre. Constance lui a interdit de quitter son lit. Elle va devoir de nouveau intervenir à peine 5 minutes plus tard. Alors là, par contre, je suis pas contente. Pourquoi est-ce que vous êtes assis, là? Je vous ai dit qu'il fallait rester dans le lit. Vous inquiétez pas, je suis... Non, bien. Mais moi, c'est pas que je m'inquiète pas, c'est que là, il faut que vous... Pour manger? Bah, pour manger, je vais vous installer, on va redresser, je vais vous mettre la table sur le lit, mais, comment dire, là, je vais être obligée de mettre les barrières. Je vais laisser ça passer. Attention à vous. Ça fait deux fois que je lui dis qu'il faut rester dans son lit. Bon, bah, ça arrive de temps en temps. Des patients qui écoutent pas du tout, qui comprennent pas que c'est pas pour les embêter, mais que c'est vraiment nécessaire. Donc, bon, bah, on essaye d'être gentil. On dit une fois, on le redit deux fois, on explique pourquoi. Et puis, bah, la troisième, et bah, on agit. Donc là, les barrières. Donc, après, bon, bah, le risque, c'est qu'ils passent par-dessus la barrière. Ça peut arriver. Mais là, comme ils sont scopés, normalement, ça se monte sur le scope. Donc, voilà. Pour le midi de son troisième jour, pas de cantine pour Constance. Elle va manger à l'extérieur au restaurant avec une amie, Astrid, qui prépare un BTS tourisme, un domaine très éloigné de celui de Constance. Ah, j'ai dû bien supposer. Moi, t'es pas trop fatiguée? Un peu, quand même. T'as eu des gros horaires hier? Bah, comme d'habitude, 7h45, 20h. Je suis partie à 20h30. Et bon, du coup, tu regrettes pas ton choix après, maintenant que t'as commencé à travailler Non, pas du tout, là. Parce que c'est quand même assez courageux comme métier. C'est pas tous les jours des... c'est des situations un peu compliquées. Et en plus, voilà, quelquefois, t'as pas du mal à réagir. Ça te fait pas trop de... Ça arrive, mais heureusement, comme il y a les filles, ouais. Puis même toi, je peux vachement vous en parler, et c'est sûr que ça aide vachement. Pas des moments où t'as pas réussi à réagir, où t'étais perdue, t'as eu même, là, depuis que tu travailles? Si, là, j'en ai eu un hier, mais c'est pas tellement qu'il était lourd, mais c'est qu'il était... il écoutait rien de ce que je lui racontais. Ouais. Il était un peu casse-pied, quoi. Il a fallu un peu que je le recadre. Il s'est levé tout de suite, là. C'est vrai? Je lui ai dit interdiction de vous lever, j'ai expliqué, machin, et il s'est levé. Parce que j'ai fini par mettre les barrières. En revenant à l'hôpital, Constance va retrouver un patient beaucoup plus calme, Daou, le monsieur qui doit impérativement arrêter de fumer et de chiquer. Non, vous avez bougé cette nuit, là, non? Vous avez mal dormi? À cause de quoi? J'ai arrêté il y a 10 ans, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai mis plein dans cette situation. Arrêtez, il reste de séquelles. C'est qu'elle a fini. La cigarette, la nicotine, là, qui bouffe les nerfs, et voilà, les nerfs, elles sont bouchées. Avec la nourriture, on ne fait pas attention. Chaque fois, on est des êtres humains, c'est des fils, comme des cheveux. Hein. Mm. Après, le médecin, c'est ça, c'est la cigarette, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Si j'aurais dit, il n'est pas touché du tout. Voilà. Mais l'entourage, les fréquentations, les copains, les copines, les machins, voilà. On taffe, on cigarette, et puis on... Heureusement, j'ai pas touché à notre saloperie, là. Ah non, non. Oui, rentrez. Ah, ça, c'est la télé.
C'est plus tard dans la journée que la famille de Daou vient lui rendre visite. Ses filles, encore effrayées d'avoir vu leur papa passer si près de la mort. J'imaginais que c'était la fin, une crise cardiaque, ça y est, j'allais plus retrouver mon père du coup. Mais bon, ça me voulait. Ouais. Vraiment 5 minutes, hein. Vraiment. Enfin bref, on a échappé le pire. Mais ce qui intéresse surtout les filles qui connaissent bien leur papa, c'est de savoir comment les infirmières se comportent avec lui. Les infirmières, papa, avec toi. Oui. Les infirmières. Ah, magnifique, c'est mes filles. J'aurais dit, j'ai des filles. Toi, hein. Ah oui, je suis gâtée. Attention, papa. Ah, ils sont sympas, vraiment. Ah, je suis gâtée comme un père pour eux. Ils sont très gentils. Ah, les plats, ma chérie. Hein. Ça y est, les choses sont faites maintenant. Ça va. Voilà. Toujours faire du bien dans la vie, on a les choses bien en face. Il n'y a pas que Daou qui est content des services de Constance. C'est le cas de Jacques aussi, le monsieur dont les médicaments avaient été minutieusement contrôlés par elle. Il est enfin libéré et tient absolument à lui dire au revoir. Ah, au revoir, monsieur Marié. Ouais. Portez-vous bien. Écoutez, plein de bonnes choses. Au revoir, madame. Et pour vous. Nous remercions beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Bah, c'est gentil. Et puis, nous vous souhaitons un bel avenir dans la profession. C'est gentil. Vous avez été très sympa. Vous aussi. Voilà, avec tout le remerciement. Allez, merci. Rentrez bien. Au revoir. Les trois premiers jours ont été plutôt encourageants pour Constance. Aujourd'hui, toute sa famille vient du Havre pour un événement très particulier, la remise officielle de son diplôme d'infirmière. Françoise, sa maman, est venue la rejoindre dans sa petite chambre en lui apportant une robe qu'elle a confectionnée elle-même. C'est une robe que ma maman m'a faite, pas spécialement pour aujourd'hui, mais un petit peu quand même. Donc voilà, pour être en beauté, on va dire, le jour de la remise des diplômes. C'est pour montrer comment on est fière de sa réussite, d'avoir eu un parcours aussi rapide, parce que d'avoir passé le concours en même temps que la terminale, c'est pas simple, et d'avoir bien marché pendant ces 3 années. Bon, moi, je vais essayer. Hop. Tu nous montres, Constance, ouais. Comment tu es. Regarde. Ah bah, pas mal du tout. Non, je suis contente. Hein. Tourne-toi, merci. Montre. Je veux bien que tu fermes, s'il te plaît, j'ai pas réussi, par contre. Ah, ça, c'est des robes chausse-pieds. Voilà. Ah. Non, mais ça va. T'as vu ? C'est bien ? Oui. Et je mets quoi alors comme boucle d'oreille ? Bien, belle. Parfait. C'est bien. Bon, c'est un grand jour. La remise des diplômes se fera à l'hôpital Foch. Elles seront 28 cette année-là, dans cet hôpital, à recevoir le précieux sésame remis par Sylvain, le directeur. Je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue à cette belle soirée. C'est toujours agréable de faire des événements festifs dans un hôpital, c'est donc possible. Bienvenue à tous. Constance est entourée de sa maman, de son papa Michel et de sa meilleure amie Astrid, ainsi que toutes ses copines infirmières. Constance Fréchet. À peine a-t-elle son diplôme en main qu'elle va aussitôt le donner à ses parents. Très très fière, très heureux pour elle et très content pour la suite, l'avenir qu'elle se prépare. Je suis super contente et heureuse et je trouve que c'est super pour tous ces gens. L'avenir s'annonce plutôt bien pour Constance, une chose confirmée par Anthony, son chef de service. Elle va être surtout dans 2 mois laissée toute seule, où là elle aura la responsabilité de 4 malades à elle seule. Et donc, d'après ce qu'elle nous a montré, il n'y aura pas de problème.